à tous, aujourd'hui on parle de la Galaxy Tab S6 Lite, une petite tablette qui réserve de très bonnes surprises. Alors je crois que vous avez dû vous en rendre compte, hein, mais la diagonale des écrans de nos smartphones s'est considérablement envolée au fil de ces dernières années. Quand j'ai commencé mon métier, quand j'ai commencé à tester des smartphones, la diagonale moyenne se situait généralement entre 4,5 et 5 pouces. Et lorsqu'on testait des smartphones de 5,5 pouces et plus, on ne les appelait même pas smartphones, mais phablettes. Maintenant, la diagonale moyenne se situe plutôt autour des 6 ou des 6,5 pouces. Et ces changements, cette mutation, a eu d'importantes répercussions sur le marché des tablettes. Progressivement, nos smartphones sont effectivement substitués à ces appareils et beaucoup de constructeurs ont donc quitté la scène. Il reste cependant quelques marques qui continuent à produire des tablettes et Samsung en fait précisément partie. L'année dernière, le géant sud-coréen a donc lancé la Galaxy Tab S6, sa nouvelle tablette haut de gamme, et cette année, elle a remis le couvert avec la S6 Lite, que vous allez pouvoir découvrir dès à présent au travers de ce test. La Galaxy Tab S6 Lite n'a de Lite que le nom et elle propose de très jolies choses sur le terrain du design et de l'ergonomie. Le corps de la Galaxy Tab S6 Lite est ainsi fait d'un seul tenant et Samsung a en plus opté pour un châssis métallique qui est très doux au toucher avec un bel écran aux bordures assez contenues. Le poids est plutôt raisonnable pour sa part et la tablette ne dépasse pas les 465 grammes. C'est évidemment une bonne chose hein, puisqu'elle vise des usages qui nécessitent une bonne préhension comme la prise de notes ou le dessin. Côté biométrie, Samsung a choisi de se focaliser sur la reconnaissance faciale et on n'a donc pas de lecteur d'empreintes, ce qui est un petit peu dommage. Surtout hein, que le système qui est intégré repose uniquement sur la caméra frontale et de ce fait, hein, on est quand même en présence d'une mécanique qui est bien moins sécurisée qu'un Face ID par exemple. Maintenant, on a quand même deux points intéressants du côté des fonctions. Le premier point, eh bien, c'est qu'on trouve une option qui permettra de désactiver la reconnaissance faciale lorsque nous aurons les yeux fermés. Et là, je pense que Google appréciera le petit clin d'œil. Et la seconde fonction, qui est tout aussi intéressante, permet d'activer l'éclairage de l'écran lorsqu'on se trouve dans la pénombre, et ce, afin de faciliter le processus d'identification. Le reste de l'ergonomie est plutôt classique. Tous les boutons sont regroupés sur la même tranche. On a d'abord le bouton de mise sous tension, et puis les boutons de contrôle du volume. La trappe d'accès aux cartes se trouve un peu plus bas, et là, très bonne surprise, on va retrouver deux slots. Le premier pour une carte micro SD et un deuxième pour une carte nano SIM. Car en effet, la tablette est équipée d'un modem 4G. Samsung s'est également montré très généreux au niveau de la connectique. En plus du connecteur USB type C, on va trouver une prise casque et on pourra du coup enfin ressortir nos vieux casques et nos vieux écouteurs filaires du placard. Bonne surprise également, la Galaxy Tab S6 Lite est équipée de deux haut-parleurs qui sont situés sur ses tranches. Et ces derniers sont placés suffisamment haut pour ne pas être étouffés par nos mains lorsque nous regarderons une vidéo ou même lorsque nous serons en train de jouer. Le rendu sonore est pour sa part très correct et ces haut-parleurs seront capables de restituer un son de bonne qualité dans l'ensemble avec une spatialisation qui est plutôt sympa et qui aide bien à entrer dans les vidéos. Alors jusqu'ici c'est pas mal, mais la Galaxy Tab S6 Lite a un autre petit truc en plus et ce petit truc en plus, c'est un stylet. Ce stylet va beaucoup plus loin que celui qui est commercialisé avec les Galaxy Note. Il est plus imposant déjà, et puis surtout il est un petit peu plus lourd, ce qui fait qu'il tient nettement mieux en main. Tout comme l'Apple Pencil, il est également équipé d'un aimant, et il sera donc possible de l'accrocher sur la tranche de la Galaxy Tab S6 ou même à l'arrière. Car en effet, la tablette est équipée d'un aimant au niveau de son dos, afin de nous permettre de l'accrocher facilement à ses housses de protection. Alors clairement, le look de la Galaxy Tab S6 Lite est plutôt réussi, mais qu'en est-il de sa fiche technique? Eh bien justement, le moment est venu de nous pencher sur ce sujet. La Galaxy Tab S6 Lite fait bien évidemment l'impasse sur l'AMOLED, et ce n'est pas surprenant compte tenu de son positionnement tarifaire. Du coup, eh bien, elle se contente d'une dalle LCD qui affiche une belle diagonale de 10,4 pouces. La définition n'est pas mauvaise non plus, et la tablette tend ainsi vers le Full HD+, avec une résolution en 2000x1200. Et je vais vous dire, franchement, moi, ce format, je l'ai trouvé très confortable, et ce, quel que soit l'usage visé. Et c'est très important, parce qu'une tablette ne sert pas uniquement à répondre à quelques mails ou à aller sur les réseaux sociaux. Pour ça, un smartphone suffit amplement. Et généralement, lorsqu'on investit dans une tablette, lorsqu'on dépense de l'argent pour acquérir une tablette,
c'est parce que derrière, on est à la recherche d'autres usages, notamment en termes de productivité. Et là, clairement, la taille et le format de l'écran sont des critères très importants. Et encore plus hein, pour un produit comme celui-là qui intègre également un stylet. Si beaucoup trouveront regrettable l'absence d'une dalle AMOLED, moi le premier, la Galaxy Tab S6 Lite sera tout de même contenté les amateurs de vidéos. Et j'avoue même avoir été agréablement surpris par la qualité de l'écran. On a une belle colorimétrie avec des contrastes qui sont finalement assez marqués. Côté SoC, Samsung a opté sans surprise pour une puce maison, et plus précisément pour un Exynos 9611 composé de 8 cœurs. Pour l'épauler, on a 4Go de RAM et 64Go de stockage, que l'on pourra bien évidemment étendre avec une carte micro SD. Et là, finalement, tout va dépendre des usages. Si vous jouez beaucoup, si vous voulez utiliser votre tablette comme une console transportable, capable de faire tourner tous les titres 3D du Play Store avec les détails au maximum, alors je pense qu'il sera préférable de vous orienter vers la Tab S6. Maintenant, si vous recherchez une ardoise pour la vidéo ou la bureautique et que vous êtes plutôt du genre casual gamer, alors la S6 Lite saura pleinement vous contenter. Il reste bien entendu à évoquer la question de l'autonomie. Alors déjà, il faut savoir que la S6 Lite embarque une batterie de 7040 mAh, quelque chose comme ça. Et pour mon usage, elle tient facilement 2 jours sans trop de difficultés. Maintenant à côté, j'ai fait tourner PC Mark, j'ai lancé plusieurs tests, plusieurs nuits, et j'ai obtenu une moyenne, je l'ai noté juste ici, une moyenne de 14 heures d'autonomie, écran allumé. Alors je rappelle quand même pour ceux qui ne connaissent pas la solution que PC Mark simule plein d'usages différents, de la bureautique, de la consultation web, du multimédia avec des vidéos, et bien sûr des calculs 3D. Et finalement, je trouve que 14 heures pour une petite tablette comme celle-là, c'est plutôt valable. J'ai également apprécié l'efficacité de la mise en veille qui évite de se retrouver avec une tablette complètement déchargée au bout de 2 jours. Alors, le design et la fiche technique sont importants, c'est vrai, mais ils ne font pas tout. Parce qu'au final, peu importe que votre smartphone soit ultra puissant, si dernière vous n'avez pas les bonnes fonctions, vous ne pourrez pas en tirer parti. Et justement, le moment est venu de nous pencher sur la plateforme et ses fonctions. La Galaxy Tab S6 Lite est livrée sous One UI 2.1, qui est lui-même basé sur Android 10, et donc sur la toute dernière version de la plateforme de Google. Et côté fonctions, eh bien, il est très difficile de ne pas penser à la gamme des Galaxy Note. La tablette est en effet très tournée vers l'usage du stylet, et c'est indéniablement une bonne chose, pour tous les adeptes de dessin et de prise de notes. Écran éteint, il suffira ainsi d'appuyer sur le bouton du stylet et de placer sa mine contre l'écran pour lancer l'outil de prise de notes rapide. Et vous pourrez alors griffonner directement sur l'écran de la tablette et enregistrer ensuite votre note sans avoir besoin de déverrouiller l'appareil. De la même manière, lorsque vous êtes en train d'utiliser la S6 Lite et que vous prenez son stylet en main et que vous l'approchez ensuite de la tablette, eh bien vous verrez apparaître un bouton tactile flottant à l'écran. Et une simple pression sur ce dernier vous permettra de faire apparaître un menu regroupant différentes fonctions, comme la création d'une nouvelle note, l'affichage des notes ou encore les outils de sélection et de capture. Et vous pourrez même créer des messages animés si vous le souhaitez. Le fameux dock vertical répond également à l'appel. Pour le faire apparaître, rien de compliqué, un simple balayage de la droite vers la gauche au niveau du repère dédié suffira et vous pourrez ensuite retrouver tous vos outils préférés sans avoir besoin de passer par le drawer ou les écrans d'accueil. L'affichage fractionné répond toujours à l'appel et il vous permettra, comme à son habitude, d'afficher deux applications côte à côte, ce qui est encore un très bon moyen de booster votre productivité. L'outil de prise de notes est toujours aussi bluffant, aussi efficace. En quelques instants, on peut changer de trait, de couleur, annoter du texte et même accéder à un système de reconnaissance de caractère directement depuis l'application et sans avoir besoin d'installer une solution tierce. Et ça, vraiment, c'est typiquement le genre de fonction qui devrait beaucoup intéresser nos amis étudiants. Alors, je le répète assez souvent, mais un produit ne se suffit pas à lui-même. Et aujourd'hui, il faut raisonner en termes d'écosystème. Et justement, en la matière, Samsung propose quelques fonctions qui sont très intéressantes pour les personnes qui possèdent un smartphone de la gamme Galaxy. Alors, ce n'est pas mon cas, j'ai pas pu les tester. Mais concrètement, si vous avez les deux appareils, eh bien, ils pourront se connecter ensemble très facilement, très rapidement. Et vous pourrez ensuite utiliser votre smartphone comme modem 4G, bien sûr, mais aussi récupérer tous les messages directement sur l'écran de votre tablette. Et pour moi, ces fonctions, elles sont très loin d'être anecdotiques et elles prouvent une fois de plus que Samsung résonne de plus en plus en termes d'écosystème.
Et voilà, ce test touche à sa fin. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai oublié plein de choses. Et je viens d'ailleurs de me rendre compte que je n'avais pas encore évoqué la question des modules photo. Alors, le module arrière, clairement, on ne va pas en parler parce qu'il est juste anecdotique. Il ne servira quasiment à rien et ce n'est pas étonnant parce que non, ce n'est pas cool de prendre des photos avec une tablette en pleine rue. En réalité, hein, à part ma belle-mère, personne ne le fait. Et c'est pas pour rien, clairement. En revanche, pour la caméra frontale, je pense qu'il est important de l'évoquer, et encore plus à l'heure actuelle, puisque nous sommes beaucoup à fonctionner en télétravail. Et justement, en la matière, j'étais un petit peu déçu, je trouve que le capteur manque de piqué, et du coup, il faudra impérativement se placer dans un environnement très éclairé pour pouvoir passer des appels en visio de qualité. Bon point en revanche, le microphone, je l'ai trouvé plutôt efficace, il ne grésille pas trop, et franchement, pour ce type d'usage, il suffit amplement. Une chose est sûre en tout cas, si la Galaxy Tab S6 Lite ne va pas aussi loin que sa grande sœur, elle reste quand même une très bonne alternative, ne serait-ce que par son prix de vente. Je n'en ai pas encore parlé, hein, mais il faut savoir que la tablette est proposée actuellement, alors qu'elle vient de sortir à 379 €. Et franchement, pour ce prix, moi je trouve qu'elle vaut vraiment le détour. On a une tablette qui est plutôt lookée, plutôt jolie à regarder, qui est légère, facile à porter. On a un joli stylet. On a une fiche technique qui est tout à fait correcte, avec un écran qui est capable de contenter les amateurs de vidéos, de films, de multimédia. Et tout ça avec des fonctions qui sont très axées sur la productivité et qui devraient faire la joie, hein, à la fois des étudiants, mais également des salariés et des indépendants. Au final, on a un produit qui est ultra polyvalent, tout ça pour un prix situé en dessous des 380 €. Pour moi, clairement, c'est un grand oui. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas vous retenir plus longtemps, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, pensez à vous abonner à la chaîne, et si vous le faites, activez la cloche. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très vite avec d'autres tests, bien sûr. Ciao.